Et salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils. On se retrouve pour un nouvel épisode du Home Lab Ascode. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes autant emballé que moi à l'idée de continuer ce projet. Alors, est-ce qu'il y a déjà un peu de monde dans le coin? J'ai pas l'impression, puisque effectivement, une fois n'est pas coutume, je commence un poil en avance, hein. D'habitude, je démarre, on va dire, à 6h, 18h, il pousse. Et... Oh, salut Manu! Salut, j'espère que ça va. C'est vrai qu'il est même pas 18h, je suis déjà en live, c'est dingue. Salut à toi, Kev35! Donc forcément, ça fait bizarre, hein? Je suis en avance, vous vous rendez compte? C'est pas possible, j'ai dû oublier un truc. J'ai dû oublier un truc. Vous m'entendez? Le son est bon. Normalement, le son et l'image sont pas trop décalés. J'ai allumé le Home Lab. Les VM sont démarrés. J'ai dû oublier un truc. Il doit y avoir quelque chose. Non, pourtant j'ai monté. Il est chaud, enfin mon thé tisane. C'est chaud. J'ai enlevé le sachet, comme ça, ça va pas faire trop. J'ai même de l'eau après. Comme ça, si une fois que j'ai fini ma tisane, c'est bon. Bon, d'accord, ok. Alors, vous ne voyez pas trop, mais c'est un peu le bazar sur le bureau, mais ça, c'est bon. Derrière, c'est presque rangé. Bon, il y a encore un truc en carton, en crap, là, qui traîne, mais bon, globalement, ça va. Pourquoi je suis... Je crois que j'ai... Il est encore temps de relancer le mauvais service. Exactement. Allez, hop. Allez. Sudo, système CTL, restart. Lequel on va prendre aujourd'hui? Ou alors on va kill un PID au hasard, genre le 1, allez, kill PID Heinz, paf. Bref. Bon, ça c'était la petite blague. J'espère que je la referai pas, mais bon, normalement je l'ai faite une fois, ça devrait aller. Donc, où en étions-nous sur notre sympathique projet? En gros, je cherche en ce moment à déployer un certain nombre de VM à peu près identiques. On a pas mal passé de temps sur la partie réseau. On s'est rendu compte qu'avec les blagues de paramétrer les adresses IP, notamment dans CloudInit, ou directement au niveau de Terraform, puisque donc j'utilise Terraform pour automatiser ce déploiement, eh bien, la blague, c'était que on ne récupérait pas forcément les bonnes IP, et que c'était dû au DHCP côté libvirt, hein, puisque donc l'hyperviseur tourne sous KVM libvirt. Et globalement, une fois que on renseigne bien, normalement on met en dur les adresses MAC et que on fait en sorte qu'elles aient toujours la même IP au niveau DHCP et qu'on nettoie le serveur DHCP, façon de parler, hein, des petits trucs qu'on a pu mettre avant, globalement ça fonctionne plutôt pas mal. Donc maintenant, mes VM, je peux les détruire, les recréer. Elles vont garder la même adresse MAC, elles vont garder la même adresse IP. Donc ça, au moins, c'est... comment dire? C'est à peu près... j'ai envie de dire stable. C'est à peu près consistant. Je sais pas si on peut dire ça. Ou cohérent. Salut à toi, Dino. Salut à toi, Haribo. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Et que... vous êtes en forme, bien reposé. Donc, on avait quand même encore un petit souci. Alors déjà, hop, je vais passer tout de suite. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Je sais que d'habitude, je parle d'un petit sujet avant, mais à moins qu'il y ait des gens qui aient envie de me faire drifter. Où est le... hop, là, voilà. Alors, petit guide status. Où est-ce que j'en suis? Petit guide diff. Alors, nous avons le node quantity. Ah oui, tiens, oui, ça je l'avais pas. Ok. Oui, donc c'était juste ça. Ah oui, il y avait ça aussi, le fait de mettre Q35 version 8.1. Donc, ça c'est la génération de la machine virtuelle.
Ça, c'est juste le formatage, parce qu'en fait, j'ai fait un petit Terraform FMT. Donc globalement, rien de spécial là-dedans. Ah oui, ça c'était les nodes Fedora que j'ai passé de 10 à 0. Parce que de toute façon, comme on s'en servait plus. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un petit hop là, Terraform du Homelab node. Non, je ne vais pas le add celui-là. Ah oui, je sais pourquoi je les avais pas. Ok. C'était effectivement, c'est pas du. C'est techniquement pas dans les. Oh. Oui, non, mais c'est technique. C'est comme c'est Homelab Node. Ouais, c'est les trucs Fedora, donc c'est les trucs que je peux me permettre de laisser traîner. Alors, juste une petite question. Ouais, bien sûr. Déjà, salut à toi, guess what? Et ensuite, Dino, la question qui n'a rien à voir. As-tu déjà utilisé Perl pour le scripting? Beaucoup de personnes utilisent Bash, mais Perl a un avantage par rapport à ses bibliothèques et la programmation orientée objet. Qu'en penses-tu? Alors, j'ai fait un petit peu de Perl. J'ai un bouquin de Perl qui traîne normalement. Je crois que c'est le bouquin de chez Aurélie. Voilà, Learning Perl, qui est dans sa cinquième édition. Forcément, forcément. Si quelqu'un parle de Perl, Manu est dans le coin, forcément, il est heureux. je pense que Manu, a moyen d'avoir un avis aussi assez intéressant sur le sujet, puisqu'il en fait beaucoup plus que moi, je pense. J'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu, c'est-à-dire que dans une ancienne vie, on avait un collègue qui avait fait des trucs en Perl, on avait été un peu en formation histoire comment dire, de pouvoir se frotter un peu aux bases du langage et de pouvoir maintenir des éventuels scripts qui avaient été faits. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. J'ai peut-être vu plus de Python ces dernières années quand c'est pas du Bash. Mais moi aujourd'hui, c'est vrai que quelque part, Bash, c'est un peu ma zone de confort. Donc, quand il va falloir que je fasse un petit bout de code, mon premier réflexe, ça va être Bash. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Perl que globalement, je serais pas forcément. Effectivement, effectivement, il vaut mieux un langage un peu plus complet que Bash à partir d'une certaine complexité. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai pas vraiment atteinte, cette complexité. Ou alors, peut-être que je l'ai déjà atteinte, mais le confort que j'ai à rester en Bash jusqu'à maintenant outrepasse quelque part les avantages des langages. Maintenant, effectivement, ça dépend du contexte. C'est vrai que pour un truc qui est en dessous des, entre guillemets, des 100 lignes de code, j'aurais tendance à dire fais ce avec quoi tu es le plus confort. Si ce avec quoi t'es le plus confort c'est Bash, bah utilise Bash. Si ce avec quoi tu es le plus confort c'est Perl, bah utilise Perl. Et oui, effectivement, oui, le contexte joue quand t'as un produit en Perl comme Sanpéon. Oui. Ça m'était arrivé il y a de ça aussi quelques années, par exemple, de faire un petit peu de Python parce que par exemple j'avais fait un plugin pour Yume donc Yume qui était le gestionnaire de package pour RHEL Fedora en fait c'est un gestionnaire de package même DNF aujourd'hui il est extensible et on peut rajouter des plugins qui viennent se déclencher à certains moments avant ou après les installations, les mises à jour de package ou les désinstallations. Et c'est globalement. Ça avait été fait en Python. Je sais plus si DNF est toujours en Python d'ailleurs. Mais toujours est-il que le système de plugin, globalement, tu trouves du code en Python pour ça. Et c'est assez facile à mettre en place.
DNF C++ avec un peu de Python. Ok, merci, merci Manu. Mais oui, ça c'est une bonne idée aussi. Le demande autour de toi ce que les gens utilisent et utilisent ça. C'est un moyen aussi. C'est comme moi, vous savez, j'ai beau tourner sous Fedora à titre perso. Un exemple que j'ai, c'est que l'école où j'enseigne, globalement, ils installent des Ubuntu. Je pourrais dire, ah bah écoutez, moi je tourne sous Fedora, je vais pousser Fedora. Mais en vrai, non, je pousse pas Fedora pour une raison très simple, c'est que de toute façon, les services informatiques pour les ordinateurs de l'école, ils installent les Ubuntu. Ça fait des années que les gens utilisent, les étudiants, quand ils passent, ils utilisent de l'Ubuntu. C'est globalement la distrib qui va être, je sais plus si c'est encore la plus populaire, mais ça reste l'une des plus populaires. Donc, je vais pas remettre leur choix en cause. Et pour les étudiantes et les étudiants qui arrivent, par défaut, ce sera, bah, prenez une Ubuntu, ça ira très bien. Et globalement, ça fait le job. Donc voilà, c'est un peu pareil finalement. Haribo, j'ose à peine dire que la seule fois où j'ai fait du Perl, c'était pour un analyseur de code binaire 6502. Motorola 6502, genre avant le 68000? Ou non, c'est autre chose? Parce que là, ça a l'air d'être du. Ouais, Motorola, ok. Le truc avec Python, que d'une version à une autre, ça change. Je pense qu'un script fait il y a 10 ans sur du Bash ou encore du Perl fonctionnera encore aujourd'hui. Alors, je peux parler d'expérience personnelle à peu près pour du Bash, oui. Pour du Perl, malheureusement, j'ai plus rien en Perl dans les parages. Mais je sais qu'à l'époque où j'en avais fait, ça faisait partie des choses où il y avait quand même une sacrée compatibilité ascendante. Quand même côté peur. Disons que Bash, l'avantage, l'énorme avantage aujourd'hui de Bash, c'est que, exemple à la con, hein. Tu veux faire un script qui affiche le contenu d'un répertoire, le répertoire où tu te trouves. C'est genre deux actions à la con. Bah, qu'est-ce que tu fais? VI script .sh. Tu fais lspwd. Allez. chmod plus x script.sh. Voilà. Voilà. Tu peux difficilement faire plus simple. Donc à partir de là, tu mets juste tes commandes les unes à la suite des autres. Tu veux en mettre deux à la suite, l'une à la suite de l'autre, point virgule. Et voilà. Donc il y a en fait le scripting shell, que ce soit même du bon vieux SH sans forcément aller chercher les subtilités aujourd'hui d'un Bash, d'un KSH ou d'un ZSH, ça reste quand même très facile à, comment dire, à démarrer. Et après, bah, tu vas te documenter sur les différentes possibilités, sachant que voilà, les derniers trucs les plus, comment dire, les plus ennuyeux d'un point de vue compatibilité ascendante sur Bash, ça va être l'arrivée, je crois que c'était avec Bash 4, des tableaux. Et merci énormément, Chaos, pour le raid. Merci beaucoup, Chaos, qui nous raid quasiment tous les dimanches. Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que c'était du jeu. Vous jouiez à quoi de beau? Eh, hey, salut Top Clean! Et vous êtes 14 viewers à venir de la part de Chaos, ça c'est cool. Top Clean, bah tiens, allez, petit shootout. On va commencer un shootout avec Top Clean. Ça fait longtemps, tiens, que je l'avais pas vu, Top Clean. Je vous invite à aller passer voir ses streams, parce que Top Clean aussi, il fait des trucs assez cool. Et ouais, vive les subtilités du Bash, effectivement. Salut à toi, Stoxit, bienvenue. Souvent en lurk. Oh, mais c'est gentil en tout cas, merci. Merci, merci Top Clean, c'est gentil. Et puis dans quelques instants, j'essaierai de faire le shootout. Tiens, je vais préparer tout de suite. Shootout pour l'ami Chaos aussi.
attaque si... Faut que j'attende encore 1 minute 30. Bon, bah dans 1 minute 30, un shootout pour l'ami Chaos. Hop. Tac. Salut à toi, Manon. Bon, écoute, ça va plutôt bien. J'espère que toi aussi. Tu as un entretien avec le directeur de filière pour Centrale Supélec mardi. Je suis un peu stressé. T'inquiète. Détends-toi. Ça va bien se passer. Donc, vous faisiez quoi de beau chez Top Clean? Enfin, pas chez Top Clean, chez Chaos. Désolé, je confonds les deux. Il y en a un qui arrive, l'autre qui... Mais ouais, salut à toi, Chaos. C'est très gentil, en tout cas, de me raider comme ça tous les dimanches. En tout cas, quand je stream. Est-ce que j'ai loupé des messages? Hop. A priori, non. Si, j'avais loupé. C'est une bonne chose, merci pour les retours. Je te laisse continuer. Pas de soucis, Dino, n'hésite pas. Les questions, ça fait pour être posé. Et toi, tu étais chez Linguistique. Ok, je connais pas, mais c'est pas grave. Donc, les raiders, qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Chaos, alors? Ça jouait, je crois. Hein. Généralement, un coup, il joue, un coup, il fait du CTF. Donc, a priori, pour le moment, ça, je laisse tranquille. Tu voulais suivre Top Clean, mais tu étais chez Mémoire Morte. Et ils ont quitté tout le temps que tu... Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Et vous faisiez de la programmation d'automate à état via un jeu. Ah! Ah ouais, non, mais alors... Ah oui, alors là, c'était... via un jeu. Ok. Donc, c'était quand même un jeu. J'avais raison. Bon, la minute 30, elle est passée? Ouais, la minute 30, elle est passée. Voilà, petit shootout à Chaos. Parce que quand même... N'hésitez pas à aller suivre Chaos et Top Clean. Ils valent le détour. Où en étions-nous? Ouais, donc, je crois que j'avais une blague à base de... Je cherchais dernièrement, c'était au niveau Cloud Init, où j'avais une petite blague. Cloud Init, HomeLab, Control, tac, 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 user data. Voilà, c'était ça. Je crois que j'avais ça qui posait problème. Salut à toi, Edisoft. J'espère que ça va bien. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était un jeu, d'autres qui se sont moins amusés. Ouais, il y a des fois comme ça, il y a certains trucs qui sont présentés sous forme de jeu au hasard, Game Shell. Hein. Les habitués de la chaîne savent. D'ailleurs, c'est l'occasion, si vous ne connaissez pas Genshell, je vais faire une petite publicité éhontée pour ma vidéo YouTube. Alors, vous retrouvez mes vidéos YouTube, bien entendu, sur ma chaîne YouTube, que vous retrouvez par ici, quand ça va s'afficher. Vous avez normalement des trucs genre les réseaux sociaux, mais vous pouvez faire point d'exclamation socials. Puis vous allez sur anotherhomepage.org et vous aurez le lien. Nous sachons. Bref, alors, c'est pas cette machine. Ouais, mais non, du coup, si je fais HomeLab Control, non, je vais me mettre sur celle-là. Hop, sudo virsh console HomeLab -control. Comment ça? Je suis sur appartement. List. HomeLab Control 20. Pardon. Oui, parce que j'ai numérote les machines. L'idée c'est quand même d'en déployer 3-4 à force, voire même une dizaine, ça pourrait être marrant. Au passage, merci pour la découverte de GameShell. J'ai apprécié cette vidéo. Bah, ça ne doit rien, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de la faire. Parce que j'aimerais bien, à l'occasion. Je dis pas que je vais le faire. Je dis juste que j'ai envie de le faire. Donc c'est pas la même chose. J'aimerais bien. Le refaire quelque part une version actualisée de cette vidéo. Je sais que j'avais voulu faire une version particulière où je voulais essayer quelque part de power leveler le jeu, essayer de le finir le plus rapidement possible. J'avais jamais continué, donc ça pourrait être déjà une première idée. Mais surtout, ce que j'aimerais faire, c'est faire une version actualisée de cette vidéo-là, mais en plusieurs morceaux, et de faire genre
une vidéo par soit par niveau, soit par thème. Genre comme ça, on fait genre les 5 premiers niveaux dans une première vidéo, le temps de de détailler les choses, parce que bah, quand on débute, vraiment, on a besoin quelque part d'être accompagné. Et ensuite d'y aller, de passer plus de temps par niveau parce qu'ils deviennent un peu plus complexes. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc, normalement, si je me passe route et qu'on va jeter un œil dans le var log cloudinit output.log, voilà, unable to locate package kubelet kubadm kubectl. Donc, ah, que les choses soient très claires, on va pas faire du Kubernetes sur cette série de vidéos, sur ce projet-là. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la partie déploiement. Je vais essayer de résoudre ce petit souci a priori qui est au niveau du dépôt. Visiblement, il va peut-être falloir que j'aille chercher où est le dépôt maintenant. Je vais pas. C'est juste, je mets en place entre guillemets, les dépendances pour ensuite faire les streams Kubernetes, mais dans l'immédiat, on se concentre sur les déploiements. On a les control planes à déployer et après il y aura les worker nodes. Donc je vais faire deux déploiements, de toute façon c'est des Debian. Le deuxième déploiement ça ira assez vite parce que je vais faire copier-coller du premier et modifier trois bidouilles, trois trucs. Mais donc là, l'idée c'est pas de commencer à faire du kube, c'est juste je déploie une machine, je veux qu'elle ait des logiciels, des configurations. Donc c'est sur ça qu'on est. Donc a priori, on a juste cette petite blague. Hop, alors, ce qu'on peut peut-être faire déjà, c'est regarder si ça s'est bien passé. Est-ce que j'ai un etc apt source 6.list? Source 6.list.d. J'ai bien un kubernetes.list. Ok, j'ai un Debian point sources. Pourquoi point sources? Ah oui, d'accord. Et j'ai un backport.list. Avec. Ok. D'accord. Ils n'ont pas bougé vers pkgs.kvitesse.io. D'abord, salut à toi, Lisaast. Bienvenue. Je ne sais pas si tu es lurker de longue date ou si tu viens juste d'arriver. Mais tu es probablement mieux informé que moi, visiblement, si tu poses la question. Donc c'est cool que t'aies signalé la chose. On va peut-être jeter un œil tout de suite, puisque en fait, moi à la base, je me base en fait pour la liste de dépendances et pour comment je vais installer mon truc. Je me base sur un tuto que j'ai bien apprécié, que j'avais essayé de faire il y a quelques temps de ça, en me disant, oh c'est cool, maintenant ça marche. Les gens qui sont sur la chaîne depuis, on va dire, peut-être 1 an et demi, 2 ans, savent que j'ai voulu faire des streams Kubernetes, que ça a été un échec critique, et que j'aimerais bien, je voulais réussir à déployer au moins un cluster fonctionnel. Ce que j'avais réussi à faire avec ce tuto, qui est sur un site qui s'appelle serverworld.info, server-world.info, et en fait, je me suis basé. Alors, top clean, c'est que j'avais voulu. C'est surtout que j'avais voulu faire. Alors, selon les tutos que je voyais, c'était des vieilles versions de Debian ou d'Ubuntu. Et je voulais pas utiliser des vieilles versions. Ou alors, j'avais vu des documentations sur Fedora. Et ça passait pas très bien. J'avais essayé de faire du. J'avais essayé aussi d'y aller de faire. Peut-être aussi un peu fort au début, parce que j'avais voulu faire du Kubernetes the hard way. Les gens, ne faites pas ça. Ne commencez surtout pas par ça. Juste non. C'est. Voilà. Et j'avais voulu utiliser ensuite Rancher et pareil les documentations que j'avais vues, des vieilles Ubuntu, des vieilles Debian. Et quand j'avais essayé de faire avec des Debian récentes ou des Ubuntu, c'était.
Je crois que en fait le souci c'est pour une raison que j'ignore, ça passait pas ici. Hop. Hop. Voilà. Et même on avait, je sais pas si Azram est dans le coin, s'il leur ou pas, mais voilà, il y avait Azram à l'époque qui avait même réussi à faire un truc. Il avait, je crois que c'était pour du K3S, du Rancher. Il m'avait fait un tuto. Genre, vraiment, le truc, il me l'avait fait, genre, que pour moi. Et lui, il l'avait fait avec des VM dans un WS. Et moi, avec mes VM dans Libvirt, j'arrivais pas à le refaire. Il y avait des erreurs et on n'arrivait pas à comprendre. Alors, Minikube, ça pourrait être aussi un truc que j'aimerais tester. Alors. Tac, other config Debian 12. Et virtu. Non, pas virtualisation. Container Kubernetes. Tac. Voilà. Hop. Je vous remets d'ailleurs, hop, le lien. Et maintenant, tu as arrêté pour comprendre au niveau Linux, les techno namespace, c'est gros. Ah oui, je vois. J'en suis pas encore là, mais déjà, je voudrais réussir à avoir un cluster cube fonctionnel. Et après, à partir de là, itérer et peut-être un jour reprendre qu'il y a 8 tests de hardware, mais plus pour, comment dire, pour apprendre et comprendre que pour vraiment le mettre en place. Donc, mais oui, effectivement, là, on a toujours. Donc, tu disais PKGS, je vais copier le lien. Hop, qu'est-ce que ça donne ici? D'accord, effectivement, c'est des remplacements. Ok. Et en plus, effectivement, c'est indiqué. Bien vu, Lisa Ast. Bien vu. Voilà. Les anciens repos ne fonctionnent plus. Ok. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Dans ce lien, tu as les nouveaux repos. Ah, cool, merci. Dis donc, tu me mâches le travail. Ça fait très plaisir. paf, paf, paf. Debian. Ah bah, c'est parfait, ça. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer. Hey, salut à toi, Adrien. Comment ça va? Allez, c'est parti. C'est la soirée des shootouts. Hop, petit shootout à Adrien de Linuxrix. Alors, on va revenir ici. Je vais juste faire ça. Et moi, à la base, j'étais parti pour utiliser une 1.26. Alors qu'il y a une ancienne version, on va pas se mentir, hein. Le son est comme la dernière fois un peu fort, c'est toujours normal. Ah. Un peu fort au niveau de quoi? De ma voix ou de la musique? Ou des deux?
Ah, un peu faible. Ah, la voix est faible. Ah bah écoute, dans ce cas-là, je vais le monter un petit peu. Tout est faible. Ah bah alors, effectivement, si pour les autres c'est bon, j'aurais tendance à dire augmente le volume. Pump up the volume. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a la clé quelque part? Est-ce que la clé, c'est toujours au bon endroit, par contre? Ils disent pas où parce qu'on a effectivement ils mettent un ETC à péter machin, mais ils disent pas où est la clé. Tu fais un contrôle F, oui, effectivement. Parfait. Alors, sauf que là, ils mettent 1,28. On va peut-être faire ça. On va peut-être utiliser la 1,28. Curl plus pipe. Vous voyez, bah oui, je sais, Manu, je sais. Donc en plus, je l'ai écrit deux fois en fait. Je me disais aussi, c'était un peu bizarre. Voilà. Et on n'aura pas besoin du sudo parce que de toute façon c'est déjà en tank root, ce qui est encore plus crade. On va peut-être faire ça, hein. On va peut-être passer. Ouais, hop, ici, on va se mettre sur la 1,28. Alors, l'idée, c'est que de toute façon, je vais. Comment dire? Je laisse volontairement une version un peu. Bah, de toute façon, il n'y a même plus besoin de s'embêter. Puisque. Donc, comme ça, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc là, on devrait pouvoir voir les packages qui s'installent. C'est juste ça qui m'intéresse. Après, je verrai selon comment ça se passe dans les streams sur Kubernetes, si je dois rester sur cette version, comment je veux l'upgrader, ce genre de choses-là. Mais déjà, si ça passe, on sera content. Donc, là, normalement, il me dit juste quoi? Il va juste me dire, au fait, tu as modifié le cloud init. Et il me dit que, de fait, il va modifier, en fait, la VM pour changer l'image ISO. Globalement, c'est juste ça. C'est juste ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne redéploie pas la VM. Donc, il va falloir. On va aller ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va l'arrêter comme ça, comme un.
1. Et on va la supprimer. Et on fait aussi sauter le fichier CloudInt. Tac. Voilà. Donc là, maintenant, si je retente un Terraform plan, non, il va me dire, hé, hop, vous voyez, il y a 3 à ajouter. On a bien l'image de la VM. Si je remonte, on a bon la feuille de style pour le disque SATA. Une VRAM, ça c'est à cause de l'UEFI. La drette, tatatac. Bon, ça, tout ça, c'est le. Voilà, c'est la VM. Et là, le CloudInt. Ok, parfait. Tout va bien. Hop, on apply. Et on m'a demandé mon avis. Hop, voilà, c'est reparti pour un peu. Voilà, donc là la VM est en train de démarrer. Donc pour rappel, hein, je me base sur une image cloud de Debian, hein, donc c'est pour ça que je m'embête pas justement avec une installation. On a fait suffisamment durant les lives de se dire « Ah mince, je vais déployer une nouvelle VM. » Bon, bah allez, on monte l'ISO, ce genre de choses-là. Tac, 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 tac. CloudInit, bon là, je crois que c'est parce que je lui ai demandé de faire une mise à jour à un moment, hein, non ? Est-ce que je lui ai demandé de faire un petit... je vais demander un... paf, paf, paf. Je lui ai demandé d'installer des packages. Donc forcément... Forcément, à un moment... Ok. Alors... C'est ça. Unpack... H-top. Ok. Ça c'est plutôt bon signe. Unpacking Kubernetes CNI. Il a un unpacking kubectl, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Et là, il dit bien homelab control 20 ready for action. Et j'ai un system status running. Pour info, quand vous déployez une machine, si vous faites un sudo systemctl status ou un systemctl status en tant que root, vous pouvez regarder le state. Si jamais vous avez des jobs, justement des unités qui sont fail, normalement il va vous dire dégradé. Ou alors qu'il n'a pas fini de démarrer, il va vous dire starting. Donc c'est assez intéressant. Et. Donc là, je peux vérifier si je fais un grep, hop, grep de CloudInit, parce qu'on a des unités de système des CloudInit. Hop, status. On va pouvoir voir que cloud.config, il est bon. Voilà. Cloud. Hop. On a quoi ? On a final. Voilà. Qui est bon aussi. Et CloudInit. CloudInit qui a l'air d'être bon aussi. Voilà, pour confirmer. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça veut dire que globalement, la VM est en place. Et vous voyez, hein, j'ai toujours la même IP, la même adresse MAC. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je peux sortir sur Internet avec. Voilà. Donc à partir de là, finalement, ça aurait été rapide à corriger tout ça. Je veux dire à configurer, mais ça l'est plus ou moins déjà. Est-ce que dans le tuto il disait d'installer d'autres dépendances? On en était là et il y avait les configurations pour le control plane et le worker. On va aller voir s'il y a des
des packages particuliers à installer ou des configs à faire qui sont différentes entre l'un et l'autre. Et puis après, on va pouvoir déployer de la VM. Il fait direct un kubendm init ici. Un cube ctl apply, tac tac, donc là non. Et là non plus. Donc a priori, les dépendances logicielles et les configs de base sont les mêmes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter là-dedans? Si, je vais rajouter un truc. Je voudrais rajouter des mises à jour. Il faudrait qu'il me fasse les mises à jour parce que là, je crois qu'il ne me les a pas faites. Si je fais un sudo apt update et que derrière, justement, je fais un apt list moins upgradable, il m'annonce 6 packages. Alors, c'est pas grand chose, 6 packages, mais mine de rien, ça peut jouer. Un truc aussi que je voudrais faire, qui n'est pas dans le tuto. Parce que là, en gros, je vais vous montrer. Si je fais un sudo apt upgrade, voilà, il va lancer les trucs. Donc il me lance mes mises à jour et il fait un trigger pour mandb. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas énormément de packages, donc c'est allé assez vite. Mais ça m'est déjà arrivé sur certaines machines avec un peu plus de mises à jour à installer. MandDB est foutu de prendre des plombes. Et je dis bien des plombes. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller faire un apt j'ai un trou de mémoire. On va utiliser apt get je crois que c'est remove, hein. Voilà, et mon impurge man-db. C'est ça. Voilà. Paf. Alors, j'ai une position sur la présence des pages de manuel sur un système qui est assez... Parfait. Qui est assez... qui, pour le moins, n'est pas partagée par beaucoup de monde. C'est que j'estime que t'as des softs, tu peux pas tèche la doc, c'est infernal. Au grand hasard, Proxmox. Les pages de man sur un poste à part. Oui. Oui. Exactement. Oui, c'est ça. Les pages de man sur un poste à part. Ou en dev, si vous voulez. Si vous avez des environnements de dev, genre, je sais pas moi, dev, pré-prod, calif, des trucs comme ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que, idéalement, sur vos systèmes en production, vous n'avez que le strict nécessaire. La documentation, ce n'est pas le strict nécessaire. Exactement le moins possible de choses. Ça permet, d'une part, de réduire la surface d'attaque. Je sais que ça peut sembler complètement dingue de se dire « Non, mais Nils, c'est man, quoi, les vulnérabilités dans man, enfin, c'est pas grand-chose. » Ça peut arriver. Il y a eu des vulnérabilités dans man. Alors pas des trucs aussi dingues que des scores de CVE à 9,9. Hein, faut pas exagérer non plus. Mais ça reste quand même de la. Il y a quand même eu des CVE. Donc des vulnérabilités. Et en plus, justement, avec ce que je vous ai montré, alors même si ça se voyait pas beaucoup ici du fait du faible nombre de mises à jour, bah mine de rien. C'est du temps que vous passez si jamais vous faites, genre, je sais pas moi, si vous avez un plan de mise à jour, genre tous les mois ou tous les 3 mois, ça veut dire que votre mise à jour va durer un petit peu plus longtemps. Donc, c'est dommage. Vous prenez aussi un peu plus d'espace disque. Alors oui, je sais, c'est pas pour les pages de manuel, dont effectivement, des fois, certains softs installent quand même la documentation, ce qui est un peu casse-pied.
Et donc, bah, tout ça, c'est potentiellement, enfin voilà, c'est donc des vulnérabilités en moins, de l'espace disque un peu occupé en moins. Alors, je sais que dans certains cas de figure, il y a des gens qui font du stockage, qui vont faire de la dédupe. Ok, c'est cool, mais tant qu'à faire, avant même de faire de la déduplication, bah, avoir le moins possible de choses, ça permet. Ok, d'accord, vous avez un fichier de page de manuel qui prend 2 mégas, et vous avez 200 serveurs. Bah, 200 serveurs fois 2 mégas, bah, ça fait 2 fois 4, bah, 2 fois 2, 4, 400. 400 mégas. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose 400 mégas. Maintenant, vous multipliez ça par le nombre de pages de manuel que vous pouvez potentiellement avoir. Et tout de suite, ça commence à faire un peu de place. Et puis en plus, ok, vous allez me dire, ok, bon, Nils, 400 mégas, mais vos systèmes, vous les sauvegardez en prod. Donc, vos pages de manuel, elles sont sauvegardées. Donc, c'est pas seulement, on va dire, 400 mégas, parce que j'ai pris un exemple comme ça à la con, mais c'est 400 mégas, plus potentiellement d'autres qui sont sauvegardés. Donc, je sais aussi qu'on va se dire. Ouais, non, mais tu chipotes, c'est pas grand-chose. Je sais que cet avis n'est pas partagé par tous, mais c'est mon avis. Voilà. Pardon. Et franchement, aujourd'hui, même si je sais que c'est confortable d'avoir effectivement, même en cas d'incident, de se dire, bah, on a les pages de manuel sous la main. Honnêtement, les pages de manuel sont jamais bien loin. Encore une fois, vous pouvez soit les installer sur les environnements non prod, ou alors, de toute façon, vous les recherchez sur Internet, ou voire même, c'est l'occasion de monter entre guillemets, un service avec la documentation qui est centralisée, quoi. Votre propre instance de je sais plus je crois que c'est quoi les trucs quand on va taper les man page de toute façon sur internet hein, si je signe que je fais genre man qu'est-ce qu'on peut faire man tree tiens par exemple tac il se traîne un peu le truc. Il y a quelques sites comme ça qui proposent des pages de manuel. Voilà, linux.pandai.net. Chez Arch Linux, il y a aussi des pages de manuel. Il y a un manpages.org. Oui, bah justement, si t'enlèves la commande man, tu fais plus man. Voilà. Bien. Ce petit rant étant fait. Man-b hop apt et apt-get hop là tac voilà comme ça au moins c'est fait pour l'anecdote je mets apt-get et pas apt parce que ça évite le petit warning qui dit oh apt a pas une interface CLI stable. Ça c'est bon. Donc à partir de là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce soit les control plane ou les worker nodes, je vais avoir globalement le même fichier cloud init. La question que je me pose. Homelab contrôle. Globalement, le dist upgrade update, etc. Je pense que tu peux le faire directement via Cloud Init sans avoir à passer par le run CMD. Ah, tiens, on va regarder ça alors. Ah bah. Lisa, tu me mâches le travail. Merci. En vrai, pareil pour le swap-off. Ah, il y a moyen? Oh bah écoute. Oh, moi je prends hein, les petites optimisations comme ça, je prends.
APT configure, il y a moyen? Alors, je t'avoue que Cloud Init, on en a quand même un peu bouffé sur le live. Il y a un truc sur lequel j'ai jamais réussi à avoir des résultats probants, c'est le réseau. Bah ça peut être sympa, effectivement. Ça peut être vachement sympa. Oh là. Alors pourtant, je crois que je sais plus si NetPlan est déjà installé dessus. Non, NetPlan est pas installé. Mais justement, le truc, c'est que si tu n'utilises pas NetPlan, et même pourtant, j'avais voulu essayer, je crois. Mais j'ai l'impression que ouais, sortie de NetPlan, c'est pas une dinguerie, c'est le contraire, vraiment le contraire. Donc a priori, ce que je dois pouvoir faire, donc je peux faire un APT ici comme ça. Voilà, ça je vais le remettre ailleurs. Hop là. Et preserve source list false. Donc ça, effectivement, je peux le laisser. Je vais pas envie, j'ai pas besoin de disable les suites normalement. Primary archive. Tac tac tac. Ça, j'ai peut-être pas besoin. Donc a priori, je peux rajouter une source comme ça. Source, tac, tac, tac. Oups là. Ah zut. Ah oui, mais lui, il fait à 4. Qu'est-ce que c'est que ce KeyID? Ah, remarque, je peux écrire une source. Ok, je peux l'écrire autrement. Parce qu'à la rigueur, ce que je peux peut-être faire. C'est faire source. Ah oui, d'accord, tu fais source. Tu mets ça. Alors, package update true, package upgrade true, package reboot if required true. C'est intéressant, ça. Pour la gestion de l'update, c'est sous aucune clé normalement, juste comme ça. Ok. Ouais, mais des fois, le runs.cmd, c'est quand même le truc de feignasse quand on n'a pas la. Donc, ça, a priori, je dois pouvoir faire ça. Oups là, une fois. Tac. Et si je mets la key ici? Donc a priori, ce que je peux peut-être tenter de faire maintenant, c'est d'aller récupérer la clé qui est là. ETC, APT, keyrings. Ah mais non, mais ça c'est un fichier direct. Mais normalement, si ça se trouve, je copier l'adresse du lien. Oui, bon, d'accord.
Allez. Avec le moins F, SSL, paf, paf. Voilà. Hop. Donc a priori, je peux remonter et avoir ma clé pipe comme ça. Et on colle ça comme ça. Oula, non, ça, ça va pas le faire. Bon, déjà d'une, il l'a collé deux fois. Parce que j'ai encore mon clavier en carton. Il va falloir que je... Et 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et en fait, tout ça, on va le... Voilà, fort bien. Nickel. Donc ça déjà, ça peut être pas mal. Donc ce qu'on peut faire ici déjà, c'est... On va juste mettre en commentaire dans un premier temps. Et ensuite... Et ensuite, on disait... Hop, tu disais package update, paf, paf, paf. Copier. Et ça, a priori, il y a juste à les rajouter. Marc t'a dit sous aucune clé. Donc, a priori, il y a peut-être moyen d'aller les mettre ici. A priori, salut à toi Lapin Féroce, j'espère que ça va bien. Donc a priori, on n'a plus à s'embêter avec. Ah bah, je les avais mis là, les APT. Déjà celui-ci, il pouvait dégager, en vrai. Et surtout que à la limite, ce qu'on va peut-être faire, c'est par précaution. Pas de soucis Manu, merci d'être passé, bonne soirée à toi aussi, puis bonne semaine, à bientôt. Et ça, à la limite, ce qu'on peut faire, plutôt de s'embêter avec le APTGet, tac tac, ici. Je le mets là, mais en fait, on va faire... Donc on a dit kubelet, kubeadm, et kubectl. Hop. T'avais le nez dans PF, t'as failli rater le stream. Il n'y a pas de soucis, en plus... Truc de dingue, j'ai commencé 2 minutes en avance. De dingue. Hein. Ce qui veut dire que le truc, c'est que a priori, sur l'apt configure, il n'est pas indiqué si on peut faire jouer avec des packages. J'ai en enlevé certains. Par contre, on a le truc packages. Est-ce que par hasard, le truc packages? Effectivement, on va ce qu'on va peut-être faire, c'est que le truc de paquet ça, hop, ah, fiche, voilà, ça va dégager, ça va descendre ici. Voilà, mais a priori, je vois rien pour les. Pour en enlever. Donc malheureusement, on va garder dans mes commandes. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire hop, on va mettre ça au début. Et le stop guide, a priori, on peut l'enlever.
Puisqu'a priori, package update, package upgrade et en route Ifriquire. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment à faire jouer avec PF. N'hésite pas à nous raconter quel type de firewalling tu mets en place. Est-ce que c'est juste pour firewaller un serveur? Est-ce que c'est carrément une machine qui est née entre deux réseaux? Donc là, a priori, on serait bon. J'ai laissé un X après un truc. Oups. Ah oui, bien vu. Hop. Bien vu. Œil de lynx, Lizas. Œil de lynx. Et tu m'avais parlé aussi de la swap. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, disque setup. Ouais. Config schéma. Tac, tac, tac. Ce qui veut dire que mon bon vieux Swapiness, celui-là, on va pouvoir le dégager en fait. Si jamais je vois comment le désactiver autrement. Parce que là, j'ai éventuellement dans les mounts. Hop, je vais vous faire un petit. On va revenir ici. Tac. Non, j'ai dit les mounts, pas. Hop. Parce que dans les mounts, il est bien précisé des trucs sur la swap. Ouais, je suis pas convaincu. Non, là, il nous parle de gros parp. Config schéma, peut-être. Swap. Object. Ah, là, tu mets swap nul. Ah. Ça vient du FSTA, donc elle sera pas montée. Attends. Dans summary, t'as l'exemple. Ah! Swap none, swap none. Non, ça c'est la quand elle est faite. Attends, toi t'as mis quoi, mount, swap nul? In order to remove the pre. Ah, ok. Ah oui, ici. Swap, virgule, nul. Ok, très bien. Bon, bah on va faire ça comme ça alors. On va enlever ça. Je vais l'enlever. D'ailleurs, je vais faire pareil les autres trucs là en commentaire. Hop. De toute façon, ça, on pourra les remettre. Hop. Et donc, si je fais sauter ça. Et ensuite les mounts, et ben on va les mettre là. Et ensuite, allez, comme ça. Et tiens, tu as aussi le backward.list que tu as dans le write files. Maintenant, tu sais là dans apt. Effectivement. Ah, c'est mounts avec un s. Hop. Les backports, effectivement, on va pouvoir les rajouter. Alors, on va aller hop, ici. Je vais juste me le coller là pour l'avoir juste sous les yeux. Ce qui veut dire que lui, là, on va appeler source 2. Hop. A priori, on n'a même pas besoin de la clé, puisqu'elle est de toute façon intégrée. Oui, non, mais c'est complètement un poil plus sexy. Ça, c'est clair. C'est clair. Hop. Eh ben, il n'y a plus qu'à réessayer. Hein. Est-ce que j'ai...
Il est là. Donc, c'est reparti pour un tour. Forcer l'arrêt. Hop. Supprimer. On efface tout. Et on recommence. Tac. Puis ça tombe bien. De toute façon, c'est complètement dans le thème du live. Et parfait, hop, on applique, on va tout de suite se reconnecter là-dessus. Bah alors, hop, j'ai oublié de faire yes. Voilà, tac, on est même arrivé au moment de grub. Finger cross que ça marche. Ah ouais, t'as intérêt, hein. Parce que bon, lancer les commandes et juste faire des write files, ça a le mérite d'être aussi fonctionnel, hein. Ah, vie. T'as mis une tab, ça marche pas, il y a mal. Ah, oups, où est-ce que j'ai mis les tabs? Où est-ce que j'ai mis les tabs? C'est que des espaces quand t'indentes le bloc. Ah, quand j'ai indenté le bloc GPG. Ok, allez, c'est reparti pour un tour. Alors en même temps, il est énorme, bloc GPG. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ça. Voilà. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Comment il disait, même joueur joue encore. Hop, la VM, elle n'existe plus. On revient ici. Bon, je vais pas m'embêter la bête. Je ne vais pas m'embêter la tête. Je vais pas me casser la tête. Je réapplique tout de suite. Alors. Ah, il a dit un truc invalide. Ah, j'ai cru voir des trucs failed. Allons-y, on va aller voir. Var log cloudinit output. Alors, où est-ce que. Malformed entry 1 sur source 2.list. La liste de sources ne pouvait pas être lue. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il a pas aimé sur cette source? Ah, c'est peut-être le sign by, en fait. Il a peut-être pas aimé ça. Puisqu'il faut mettre la clé comme ça ensuite. Ben, c'est reparti pour un tour, hein. Check quand même dans ETC. Ah oui. Ou alors il a peut-être pas aimé les plusieurs espaces là. Il y avait un truc en rouge. Où ça le truc en rouge? Alors déjà il y a un truc, c'est qu'il y a moyen de le source 1 et le source 2. Je vais peut-être les renommer autrement. Là on va l'appeler backport déjà. Et lui on va l'appeler Kubernetes. Tac. Déjà, ce sera mieux. Je crois que c'est genre une seule ligne. Var log. Voilà.
remarque si je fais un... Non. Ah non, c'est parce que je suis pas dans. Ouais, bon, allez, oups, qu'est-ce que j'ai fait? On va se déplacer comme ça. C'est vrai que comme je suis sur la console locale. Ouais, après c'est Cloud Init qui s'est vautré, c'est pour ça que c'est en fail. Oui, remarque, si je fais un système CTL status, voilà, il me dit dégradé parce que j'ai des unités qui ont fail, qui sont les unités Cloud Init. Hop, elle tourne, c'est normal, et c'est final qui est fail. Voilà. Donc a priori, je me demande si c'est pas le fait d'avoir plusieurs. Ah, mais oui, mais que je. Voilà, c'est les espaces qui sont là en fait. C'est le copier-coller malheureux. C'est le copier malheureux. Hop. Voilà. Mais je suis pas. Je pense que je vais le laisser comme ça parce qu'à mon avis, le truc avec le GPG, il peut pas aimer. Bon, bah c'est reparti, hein. Allez, on retente. Je vais la supprimer directement comme ça. Ouais, supprimer. Paf. Hop, elle a disparu. On revient ici. On réapply. Bah écoute, ça va être l'occasion de vérifier. Pourquoi il était. Oui, non, mais l'espace, c'était erreur de copier-coller. J'ai cru voir passer des erreurs encore. No pub key? Oh. Donc là, il nous fait bien les mises à jour, on dirait. Et du coup, forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Ah tiens, récup la pub key et essaye sans le bloc GPG, mais juste avec la pub key dans KID, dans Cloud Init. J'espère que le key serveur d'Ubuntu la possède, ça pourrait éviter de poser la clé GPG dans le YAML. Alors il y a des packages qu'il n'a pas installés et il reboot tout seul, là, ce qui est plutôt cool. Ah, on va aller voir un peu. Alors le problème c'est que maintenant qu'il a rebooté le Cloud Init, il est peut-être moins. Ouais voilà, c'est ça. Alors. GPG error. Attends, il est allé la chercher sur le key server d'Ubuntu? Attends, c'est Debian dont on parle là. Ah, remarque, c'est Cloud Init qui irait la chercher chez Ubuntu. Merci beaucoup pour le follow, Kildanix. Merci à toi, c'est très gentil. J'ai trompé de caméra. Copier le lien. Tac. Ça doit être celle-ci, du coup. Ouais, elle existe. Elle existe. Donc, a priori, j'aurais juste à utiliser le. Hop.
Alors, comment c'était fait dans le module référence, hop, on remonte, apt configure, et on a attends, comment il nous dit? Peut-être dans le summary. Non. Ah, et on lui dit qui ID en fait. Ou qui. Hop, dans les exemples. Quand il précise la clé. Ils ont mis des exemples avec le key ID. Ouais, ils ont mis un truc comme ça, key ID, ok. C'est dommage, ils auraient pu mettre un exemple un petit peu plus. Hop. Je sens que. Hop. Ça va être plus sympa comme ça, effectivement. Elle pourrait être un poil mieux faite. Ouais, l'exemple pourrait être un poil mieux fait. C'est ça. Hop. Alors. Bon bah c'est reparti pour un tour, hein. Supprimer. Hop. En vrai, je pourrais ne pas supprimer le fichier de cloudinit.iso, puisque de toute façon, il va le régénérer, mais moins, c'était quoi? Ouais, non. Je vais écrire yes. Ah, par contre, il faut remettre le sign by. Ah, oups. Oups. Alors, avant, oh, on va avoir une petite pause. On va faire. Hop. Et on va faire petite pause toutou. Hop. Rina. Rien à plus. Oui, c'est bien. Oui. Oh oui. Ah là là, elle court après les friandises. C'est gentil d'être passé. Viens, 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 viens. Oh oui, oh oui, c'est gentil. Oh oui, elle est adorable. Oh oui. T'es la meilleure, ma puce. C'était bien la balade? Oui. Ah là. On prend les manières en tirant. C'est là. Elle était mouillée, ça. Ah là là. Il va falloir que je trouve une caméra à placer à un autre angle pour éviter de déplacer celle-ci. Mais voilà. Bah écoute, elle a pas de race. C'est un croisé plein de trucs. Enfin, c'est un bâtard, quoi. On a aussi l'occasion de voir les pieds de l'armoire en pin. Oui, les pieds de l'armoire en pin. Alors, je vous donne 2 petites secondes. Voilà. Alors, en fait, Dino, en la regardant, on suspecte que dans ses racines, il y ait du Golden Retriever ou de l'Épagneul breton. Mais on n'a aucune idée de là où elle vient, parce qu'en fait, elle vient d'un refuge. Voilà. C'est un chien de refuge. Donc, elle a été, entre guillemets, elle a été attrapée dans la rue. Bon. Donc on ne sait pas vraiment quelle est son histoire. Hop là. Alors, revenons à nos moutons. Mais après, on hésite. On hésite à faire un test. Il paraît qu'il y a moyen de faire, bah, comme pour les humains, il paraît qu'il y a moyen de faire des tests ADN pour justement vérifier les racines et vérifier si elle n'a pas des maladies génétiques. Donc, on a fait un petit apply. On va aller retourner voir. Et a priori. Revenons des moutons, je comprends mieux le logo de la chaîne. Et petit en taille pour un golden. Oui, ah oui, très clairement, parce qu'en plus, justement,
On a déjà croisé en promenade des Golden Retrievers, deux, un adulte et un bébé. Et très clairement, oui, les Golden, c'est un peu plus grand que ça. Et je suis bien content qu'elle ne soit pas un Golden, parce que si elle était plus grande, dites donc, on n'aurait plus de place pour nous sur le canapé. Donc, voilà, Cloud Init. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il nous a balancé carrément un gpg.py error parce qu'il n'a pas réussi à obtenir la clé. Fail to import key. From key server. Après. Très envie de remettre la clé en mode l'arrache en YAML. En fait, il manque le binaire GPG. C'est celui que tu installes avec GNU GPG2, le PKG. Ouais, mais alors attends. Il y a un truc qui me chiffonne. On configure les repos APT, c'est une chose. Et après, dans les packages, j'ai justement GNU PG2. Boot CMD dans Cloud Init, ça te permet de lancer des commandes avant un peu tout le reste. Oh là là! Oh là là. Et perdre moins de temps avec les pages de man. Ah bah carrément, ah carrément. Ah c'est bien ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, boot CMD. On va les mettre avant les runs CMD, tiens, allez. Tac, donc, ça déjà, hop, et ensuite, hop. Et donc, on a GNU PG2, hop. Et ensuite, je vais pouvoir spécifier l'occurrence de la commande qui est lancée si je veux que ça soit chaque run, seulement la première fois, etc. par la suite si je veux. Alors attends. C'est un peu crado, non? Bah ça dépend, qu'est-ce qui est le plus crado Attends, ça c'est boot CMD array of string. Ouais, mais non, mais il précise pas. Tu préfères mettre en dur la clé. Bah, ceci étant, ça évite de faire une connexion réseau hein, si on met la clé en dur. Allez, on va la retenter comme ça. Hein. On va la retenter comme ça. En vrai, c'est super chouette parce que j'avais pas forcément pris la peine de creuser à ce point-là Cloud Init. Après, on m'enlèvera pas que pour la partie réseau, honnêtement, c'est quand même franchement
Enfin, c'est justement parce que je galérais sur la partie réseau qu'on en est venu à faire dans Terraform des MAC adresses fixes et des IP fixes, hein. Ah, il a fail. Il a fail. Hop. Bon, on verra après. Ah, mais je dis pas qu'avec NetPlan, ça marche bien, hein. C'est juste que quand t'as pas NetPlan, ça marche pas du tout en fait. Mais alors pas du tout. Suis en train de me dire que je vais peut-être désactiver les. Bah c'est une Debian, c'est pas une Ubuntu, attention. Et le truc c'est que je sais pas si ça joue. Je sais pas si ça joue, mais tu as. Enfin, l'image que j'utilise. Je vais te. Non, ça va être. Ça va être dans volume.tf, je pense. Non, du coup, ça sera dans les variables. Voilà. En gros, j'utilise la Debian 12 générique et pas la générique cloud. Pour la raison que en fait pour injecter le Cloud Init voilà elle n'a pas le driver pour le CD-ROM voilà 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 ouais, ça fait bizarre. Var log. En vrai, je me demande, il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que le fichier de config Cloud Init soit donné avec autre chose qu'un CD-ROM. Mais pour libvirt, tu peux lui filer dans la command line kernel ou via le SMBIOS. Ah! Comment ça, package GNU PG2? Je me suis vautré. Bah si, GNU PG2. Pourquoi il me dit. Ah, demi-transitional package, je l'avais pas lu. Je l'avais pas lu. Il est écrit demi-transitional package. Donc il ne veut pas me l'installer parce que ce serait GPGV. Salut à toi, Lenix. Alors, GPGV. Table, GNU Privacy Guard, signature. Alors attends, si j'installe ça. Bah il est déjà installé. Bon, on va aller revoir la liste, hein, le reste. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, il ne veut pas m'installer GNU PG2. Et ensuite, fail to run bootcmd. Ouais, bon bah logique, forcément, le truc il s'est gaufré. C'était le numéro de version majeure, Adrien. À une époque, tu avais un GPG, GPG2. C'est justement parce qu'il y a eu, y a dû y avoir des trucs qui ont cassé. Et là, il me fait toujours la même. Pourquoi? No such file or directory BGPG. Commande exit code. Ouais, donc en fait, la commande GPG, il ne la trouve pas. Il la trouve toujours pas. Oui. Mais elle est là, la commande GPG.
Ah, elle n'est pas dans ce package-là. Effectivement, il y a déjà un paquet GPG. Bah non, parce que le package GNUPG. Ah oui, il est installé, mais attends. Il est installé. Hop, user data. Et je dis user data. Voilà. Tac, 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 tac. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Mais je me demande s'il n'est pas déjà installé en fait à la base et que je le rajoutais pour. Ah bah si! Bootcmd, GNUPG. Oui, non, mais justement, c'est celui-là qui a échoué. Effectivement, il y a. Enfin, c'est un transitional package, donc il n'y a rien de. Ah si, il y a un user bin GPG2. Bah si, en fait, à la limite. On va enlever. Mais. Donc c'est assez fou qu'ils me disent qu'ils trouvent pas la commande parce que parce que pour tout le reste, Ah mais attends, mais il nous fait quoi là? Parce que là j'ai un certain nombre de packages, ok. Là j'ai rien dans le run CMD. Package update, patcher, reboot, ok. Là, j'ai rien de spécial. J'essaie de regarder ailleurs hein, si j'ai pas des choses, mais en fait, je commence à me demander si en fait il installe pas en. Parce que là, il me dit quand même qu'il va installer justement GPG, GPG Agent. Je vais relancer le truc. On va voir ce que ça donne. Juste le relancer en virant le. Parce que si ça se trouve, c'est ça qui met le bazar. Je suis sûr que t'as un user. Je suis sûr que t'as un user de là. Oh, tout de suite. Bon, calmez-vous quand même dans le chat, hein. On n'est pas là pour faire du troll de Distrib Linux. Hein. J'ai vu un fail. Donc il a encore fail sur Cloud Init et ouais, c'est ça. C'est pas de commande GPG. C'est quand même dingue ça! Ah non, s'il vous plaît, pas de politique. Pas de politique. Je suis venu faire de la tech, hein, pas de la politique. On peut causer politique, mais sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, vous pouvez mal payer sur les réseaux sociaux pour parler politique, mais là on fait du Linux, on fait du Cloud Init, on fait du Terraform.
C'est pas de la politique, c'est par rapport à Red Dead. Est-ce que le mot de passe est passé? Non, le mot de passe n'est pas passé. On va attendre gentiment qu'il ait fini. C'est quand même dingue ça. Pourquoi il me dit qu'il essaye avec juste GNU PG au lieu de GNU PG2, peut-être dans le insta, dans le apt install du début. Alors déjà, ce que je vais faire, parce que là, ça commence à. Ça m'embête un peu en fait. C'est les. Ils sont où les. Ça, on va faire ça. Ça, tu m'enlèves et ça, tu m'enlèves aussi pour le moment. Et on a dans le bout de CMD. Hop. Var log cloud init output. Alors. Donc là, il m'enlève bien. Ah, mais attends, déjà, il aborde. Il aborde déjà sur ça parce que j'ai pas mis de moins y. Donc déjà, voilà. Ensuite, ouais, effectivement, le petit Debian Frontend No Interactive, effectivement, ça se rajoute aussi. Bien vu. Hop. J'aurais fini par le rajouter parce que je l'avais mis dans d'autres trucs. Hop. Mais comme ça, effectivement, voire même, on pourrait rediriger la sortie dans Devnull, hein, tant qu'on y est. Mais tu crois qu'il aborde tout le boot CMD? Le truc, c'est de toute façon, le boot CMD, il n'y a qu'une commande dedans. Donc, s'il aborde tout, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'embête, par contre. C'est que là, si je fais un witch GPG. Ah, là, il l'a pas. Là, il l'a pas. Ça, c'est intéressant. Apt search GPG. Et donc là, a priori. Bah si, tout à l'heure, il y était déjà. Salut à toi, Silence des Agneaux. Les Debian, je les déploie sur un libvirt KVM qui tourne sous Fedora. Tu peux faire un point d'exclamation hardware si tu veux, Silence des Agneaux. J'ai pas un point d'exclamation Homelab, je sais plus. Voilà, point d'exclamation Homelab. Tac. Ouais, bon, on va rajouter GPG. Allez. Hop. Install. Hop. GPG. Tac. Allez. Et ensuite, on revient là. Et c'est reparti pour un tour. Croise dans les doigts. Tac, donc là il a bien viré MandDB. Il est en train d'installer. J'ai cru voir un fail. J'ai cru voir un fail. Voilà. Voilà, il s'est reviandé à nouveau. Alors. Hop. Non. Ah. Je pense qu'il n'a pas update les packages et forcément il ne le trouve pas. Alors. C'est pas grave, on va lui rebalancer les. Log. Log. Tac. Donc là, il m'enlève bien MandDB. Unable to locate package GPG. Effectivement,
Si je fais un apt moins y install apt get, si je fais gpg comme ça, là maintenant il va me le trouver, et là maintenant il me le trouve, effectivement. Donc on va lui rajouter dans les commandes ici, un apt get update, allez. Voilà. Et here we go again. Ça commence à faire mal au cœur, mais peut-être rajouter apt get update juste avant. Ouais, effectivement. Hop, allez. Voilà. Là, il fait l'apt get update. Et il est en train de m'installer GPG. Ok. Et j'ai pas vu de fail, les amis. J'ai pas vu de fail. Il serait pas en train de m'installer Cube, là ? Ouais, ouais, exactement. Ça sent bon, là. Ça sent bon. Ça sent bon, les amis. Ça sent bon. Ah, là, ça commence à être bien, là. C'est la bonne, peut-être. Ouais, effectivement. CriTools, ouais, ça, c'est bien. Ouais, là, ça commence à me plaire. Là, ça commence à me plaire. Et bien comme il faut, même. Ah, ça, c'est chouette. On pourra ensuite décommenter les mises à jour et puis ensuite essayer de déployer. Alors je sais que c'est complètement dingue, mais ça pourrait permettre d'avoir plusieurs clusters si jamais je déploie une dizaine de control planes. Il y aura largement assez pour faire joujou, quoi. Ouvre un champomy si c'est bon. Non, j'irai me faire une grenadine. J'irai me faire une grenadine si ça marche. Après le stream. Hop, 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 setting up, update initram fs. Ah, attends, il m'a dit un truc. Ça n'a pas l'air d'être le. Je veux bien que tu check la swap aussi pour être sûr que le truc du moon soit bien passé. Ouais, c'est pas bête ça. Donc. Déjà, var log cloudinit output.log. Donc, oui, bon, forcément, bash sudo curl vim tac tac tac, c'est déjà installé. Hop. Alors. Où est-ce que... J'avais cru voir qu'il m'avait chouiné un truc, mais je retrouve pas. Peut-être plutôt bon signe. Donc pour l'instant, swap 0. Oui, effectivement, il y a aussi le varlog. Tiens, on va ajouter un œil tout de suite. Varlog cloudinit.log. Mais lui, il est moins. Ouais, il est vraiment. Ouais, il est moins user-friendly. Je suis complètement d'accord. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a bien mon kubernetes.list, mon backport.list. Ça, c'est cool. Voilà, kubeadm, kubectl, kubelet, kubernetes CNI. Parfait, 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 parfait. Ça,
Ça, c'est chouette. Merci beaucoup, hein, Lisa Ast. T'as rendu le stream beaucoup plus intéressant. Donc, j'ai plus qu'à hop, décommenter ces deux-là. Hop là. Hop. Est-ce que j'ai autre chose qui traînerait? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Manquerait plus qu'il y ait de la. Il n'y aurait pas un truc pour les modules noyaux, pour les. JK. J'ai pas kernel et M collective, moons. Non, j'ai rien pour les modules noyaux. Bon. Par contre, juste par curiosité, disk setup. Comment ça, fan? Ubuntu fan networking. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il y a même un truc pour APK. Ça, c'est cool. CA Certificate, ça, c'est cool aussi. Bon, le final message. Grub, DP, KG. Ah, configure Grub, DP, configuration device. Ouais. Ouais, ok. Ah, Yuma Drepo, ça c'est cool. Et merci beaucoup pour le follow, XOTV. Merci à toi, c'est très gentil. Mais effectivement, on pourrait rajouter les repos Yum comme ça. Ok. Ça c'est cool, ça. Il y a aussi ce qu'il faut à ce niveau-là. Ok, cool. SSH, import ID. D'accord. Ah, au lieu d'utiliser au lieu d'utiliser un write file pour le ETC host, il y a moyen aussi de manage ETC host true. Ah, mais il donne pas de localhost. Ouais, mais il FQDN hostname. Ouais, bon, ok. Hein, je pensais qu'on pourrait rentrer Non, arrête. WireGuard dès l'install. Ouais, mais bon, faut. Après, il va être qui dans le fichier Cloud Init? J'avoue, ça fait un peu. Ah, ça m'embête un peu là. Ouais, ça j'ai vu, les modules Ansible Salt Chef. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Comme ça permet de faire les configs initiales. Mais ça c'est plutôt pas mal. Bon. Là déjà, je trouve qu'on a fait pas mal de choses. Là, franchement, ça rend les trucs bien plus agréables à lire. Donc merci beaucoup encore, Lisa. Merci beaucoup. Tu peux faire du SSL plus Basic House sur ton Cloud Init. Du coup, ça ne fait pas si mal, perso, de lui balancer des secrets dans les user data, metadata. Ça a bien avancé. En tout cas, bah, merci, c'est grâce à toi. Bon, maintenant que j'ai ça, et que ça c'est globalement commun, que ce soit pour mes workers ou mes control plane, la question que je me pose c'est Homelab control globalement, est-ce que je duplique mon cloud init et donc je crée un Homelab worker. Parce que de toute façon, je vais dupliquer aussi ce truc-là. Déjà, je vais trasher la VM. Hop. Je vais retracher la VM une nouvelle fois. Hop. Tac, voilà. Parce que en gros, je crois qu'il faut un petit peu plus de patates pour du Kubernetes de mémoire. J'ai paumé mon onglet. Je crois qu'il faut au moins que je mette 2 Go de RAM et je me demande si je vais pas en profiter pour mettre 2 vCPU. Je vais faire ça. Hop.
Et ce que je vais faire, ouais, je enfin, peut-être un peu du. Allez. Home lab, et on va l'appeler worker.tf. Tac, et pas s'emmerder. Contrôle. Alors, mes propres images, j'y ai pensé, mais honnêtement, flemme. Surtout pour les lives comme ça, me faire des images. J'en avais fait à une époque, hein. Je m'étais fait des templates, mais honnêtement, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, hein, notamment par exemple sur les images de base, les images Cloud Fedora par exemple, elles sont, je crois qu'elles sont en BetterFS. Les images Fedora serveur. Je vais juste revérifier ce que je raconte quand même. J'ai une Fedora serveur que j'ai justement déployé à grand coup de Terraform il n'y a pas très longtemps. Si je suis en type DF, un etc/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 
J'aurais pu, au lieu de dupliquer mon fichier Terraform du control plane vers un worker, j'aurais pu créer un module. Hein. J'aurais pu créer un module et factoriser au max. Ça pourrait être une idée de live un de ces quatre, mais pas tout de suite. Ça se passe plutôt bien. Hein. Là, je suis assez content de moi. Et de toi aussi, d'ailleurs, Lisa. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et ça, c'est chouette. Adrien ne cause plus, il raconte plus de bêtises. J'imagine qu'il a commencé d'ailleurs son live. On ira le rejoindre dans 5 minutes. Pendant ce temps, pendant que ça passe ici, ce qu'on peut faire, nous, on va revenir là. Non, remarque. Ah, zut. Hop. Donc, Cloud Init, tac, tac, celui-là, non, celui-là, oui. Ça aussi, et ça aussi. Voilà. Oui, bah oui, forcément le variable vu que j'ai rajouté les trucs. Donc du coup, ça va rester comme ça. Ouais, il a commencé son live, tout à fait. Allez. Tac. Donc là, grosso modo, bon, malheureusement, il y a une modif de variable pour mes nodes Fedora qui est passée dans le lot. Mais là, normalement, si, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Hop, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. Merci beaucoup pour le follow, Tux Smooth. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Oui, mais non, mais je veux pas le login. Bon, allez. Je vous ai pas forcément dit comme d'habitude, hop, que tout le code que je produis est bien entendu public ou presque. Hop. Et donc le repo d'aujourd'hui qui s'appelle la base code ng, j'ai l'ancien la base code. Et si je vais regarder dans les pull requests, voilà, ça c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. Donc elle est encore en draft, mais vous pouvez voir, voilà, tous les trucs changés. Voilà, tout ce qui a été rajouté, tout ce qui a été modifié. D'ailleurs, on va aller regarder tout de suite le modif de variable. On va lui remettre 10 ici. Et puis, on fera juste pour le principe. Hop, notre quantity default, hop, 10. Tac. Voilà, bon, j'ai mes petits alias pour aller plus vite. Et comme ça, le variable.tf, normalement, voilà, il y a juste l'image source Debian, avec le commentaire, les différents variables pour les control plane et le worker node. Et je vais pouvoir ensuite, peut-être. Alors, il en est où lui? Comment ça, time jump backward? Ça prend un petit peu son temps, mais ah si, bon, au moins j'ai le login. Je vais pouvoir au moins voir les trucs de base. Si je fais un IPA, la machine a pour adresse IP 9930. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Donc là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, si je fais un petit var log cloudinit-output.log. Donc il n'a pas fini. Ouais, il faut faire un rebooting. Tac, tac, tac.
Uptime, ok. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, ça m'a l'air d'être globalement bon. Je vais me remettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que Control Quantity, j'en mette, je sais, c'est complètement dingue. En Control Plane, ouais, allez. Parce que les worker nodes, de toute façon, j'en mets 10 aussi. Ça fait autant de. Les Control Plane, on va en mettre 6. Allez. Donc comme ça, on ira de 20 à 25. Et ce sera pas mal. Et je pourrais toujours utiliser les IP 26, 26 à 29 pour autre chose. Donc. Et les workers, j'ai dit 10. Ok. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est revenir ici. Et là, vous allez voir, voilà, il me propose d'ajouter 72. Et en fait, en gros, bah, il va me rajouter, voilà, tout un tas de volumes qui sont déjà bah, les disques des VM. Alors, ce que je pourrais potentiellement faire, c'est peut-être rajouter un deuxième disque. On verra, on verra. On verra. Quand je serai en plein dans les stream cubes, si je me rends compte que ça va pas, bah, je ferai des. Je referai un labase code en mode allez, on va. Et voilà. Homelab Worker 39. Tac. Allez. Allez, on va apply. Hop. Et là, normalement, on va commencer à voir un certain nombre de VM se déployer là-dessus. Et je reviens sur le stockage. Hop, et je reviens sur les machines virtuelles. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, il faut peut-être que je fasse yes. Voilà, là, normalement, ça va commencer à apparaître. Voilà. Tac, 35, 36, 37, 38. De toute façon, ah, d'un second disque, ça générera pas. Ça gênera pas, tu pourras le monter, le formater avec Cloudin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc là, je vais me retrouver avec un paquet de VM. Il y a 10 VM à 4 Go de RAM et 6 VM à 2 Go de RAM. Est-ce que mon serveur va survivre avec tout ça? Oui. Oui. Je vais te. Hop. Alors, il est où le. Il est là. C'est fast fetch maintenant. Donc, on a deux Xeon E5 2660 V2 pour un total de 40 threads. Et on a au total 256 Go de RAM. Donc, ça va passer. Ça va passer. Ouais, ça passe, ça passe. C'est pas la machine la plus rapide de la Terre, mais ça passe. Eh, hey, Tuxmouf, ouais, merci. C'est gentil de commenter. Hop là. Paf, paf, paf. Alors, je vais quand même jeter un oeil sur les. Bon, de toute façon, on va les laisser tourner. Hein. Là, maintenant, c'est. D'ailleurs, il me dit quoi? Moins Z, 10 de var log cloud init output. Tac. Pour l'instant, rebooting after upgrade, nanana. Ouais, il me dit rien du tout. Bon. Alors, après, voilà, c'est pour ça que je me permets de faire une dizaine de VM. Mais ouais, je comprends tout à fait que beaucoup ont moins. Et à la limite, si j'avais eu moins, j'aurais fait moins de nodes. C'est aussi l'intérêt de récupérer ce genre de vieilles babasses et de récupérer aussi le matériel. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne sais pas forcément si c'est le meilleur endroit, mais faut que je pense à signaler sur le Discord de la chaîne. Parce que j'ai du vieux matériel dont je voudrais me séparer. Donc il faudra peut-être que je vous fasse quelques petites annonces. C'est bizarre qu'il ne veut pas toujours pas rebooter, mais ok. Lui. Var log cloud init. Ah ouais, il me dit la même. Bon,
Quoi comme matos? Du vieux. Du vieux, j'ai un Core i7 de première gen qui traîne, mais dont je me sers plus. Voilà. Juste carte mère CPU RAM. Un Core i7 920 avec une carte mère, bah forcément X58, mais elle a 6 slots de RAM. Je file 3 barrettes de 2, mais je l'avais à l'époque, je l'avais monté avec 6 barrettes de 4. Et ça marchait plutôt pas mal. Honnêtement, le Core i7 920, il m'a duré 10 ans sans sourciller. Vraiment sans sourciller. Franchement, c'est du bon petit CPU. Bon, aujourd'hui, forcément, face à des. Même un. J'ai envie de dire, même un Ryzen de première gen, le truc se fait atomiser, hein. Mais bon. Là, c'est pareil, honnêtement, la machine, si vous cherchez sur Internet, là, le Home Lab, la machine Home Lab, le Xeon E5 2660 V2, vous regardez, tiens, hop, je vais vous le montrer. On regarde quand est-ce qu'il est sorti, c'est une vieille babasse, hein, c'est du. Alors, ça fait pas trop de bruit. Alors, ça dépend. Ça dépend comment on s'y prend. Je pense que j'ai réussi à trouver le bon. Ça dépend si tu gardes le châssis du serveur ou pas. Ouais, ça dépend. Alors, vous voyez, Ivy Bridge EP et c'est sorti en 2013. Donc vous voyez, c'est du processeur qui a 10 ans. Hein. Si je zoome un peu, c'est du processeur qui a 10 ans. Voilà. Alors, je suis pas sûr des prix exactement, mais à mon avis, c'est le genre de CPU que vous trouvez pour 30$ sur AliExpress. Hein. Même si honnêtement, s'il fallait en acheter, je sais pas si forcément ou je vous recommanderais le 2660 V2. Mais donc, la carte mère, c'est une carte mère Super Micro. Hein. C'est une Super Micro en X9. C'est une carte mère. Alors elle n'est pas standard EATX, mais du coup c'est un peu embêtant. Elle tient avec deux vis dans le boîtier. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise dans un boîtier. Je sais pas du tout, mais c'est pas ultra spécifique. Je crois que c'est un EEATX, donc c'est juste, c'est à peu près la même taille, mais j'ai au moins deux vis qui passent, et donc du coup la carte mère tient dans le boîtier. Donc du coup j'ai pris un boîtier EATX. J'ai pris un boîtier de chez Be Quiet et pour que ça ventile pas trop, en fait, c'est là où c'est cool, c'est que j'ai mis pas mal de ventilateurs dedans, mais qui du coup tournent assez bas. Si je vous fais un petit sudo IPMI IPMI tool, j'avais pas des IPMI tool. Voilà, sensor. Si je vous mets les senseurs, vous verrez que il ne voit qu'un seul ventilateur parce que en fait le boîtier a une petite carte pour regrouper tous les ventilateurs dessus. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis en j'ai augmenté le nombre de ventilateurs boîtier en tout en restant chez Be Quiet. Et j'ai mis deux ventirads de chez Noctua. Et les ventilateurs ne sont pas reliés directement sur la carte mère, ils sont reliés aussi sur le truc. Donc là, vous voyez, ça tourne à actuellement, si je comprends bien, ça tourne à 500 tours minute. Et en fait, il y a un petit, comment dire, il y a un petit interrupteur sur la carte mère, pas sur la carte mère, pardon, sur le boîtier, pour pouvoir ensuite augmenter la vitesse et donc forcément le bruit. Là maintenant. Là, je viens de le passer à 2 sur 3. Il était à 1 sur 3 avant. Tac, voilà, il est passé à 700 RPM. Honnêtement, c'est encore bien 700 RPM. Vous voyez que les CPU ont un peu chaud quand même. Hein, ils sont autour des 60 degrés. Et là, par contre, si ensuite je le mets à 3, c'est-à-dire au max, là, par contre. Alors, moi, je l'entends parce que j'ai enlevé le casque. Heureusement, la pièce est fermée, donc derrière, on ne l'entend pas. Mais ça commence à vrombir un peu.
Et là, il passe à 1000 RPM. Et si je le laisse en auto, il monte encore plus fort. Et il fait un coup, je monte, un coup, je descends, un coup, je monte, un coup, je descends. J'ai essayé de faire joujou avec justement IPMI Tool. Mais au final, rien ne vaut juste le fait d'y aller comme ça et de limiter le... Allez, je le redescends à 2. Mais par contre, l'inconvénient d'avoir pris un boîtier EATX, c'est que ça prend une place folle. On va pas se mentir, c'est quand même assez... Là, vous le voyez pas, hein, il est derrière le bureau, il est là. Mais c'est assez ouf. Voili, voilou. Bon, alors, on va revenir comme ça. Tac. Parce que dites donc, le temps passe. Et moi, je vais, comme on disait, rendre l'antenne à une époque. Je stream généralement les dimanches de 18h à 20h. Mais je ne peux pas. J'ai des trucs de prévu dimanche prochain. Je ne sais pas si je vais pouvoir streamer ou pas. Donc, dimanche prochain, c'est un peu le stream de Schrödinger. Par contre, dans 2 semaines, ça je vous le dis, c'est certain, il n'y aura pas de stream. Donc, peut-être rendez-vous dimanche prochain, mais certainement rendez-vous dimanche dans 3 semaines, ça c'est sûr. Ceci étant dit, si jamais vous voulez revoir ce live ou revoir des anciens lives, vous avez les replays sur Twitch pendant 2 semaines, et vous avez aussi les très vieux lives, je rattrape hein, au fur et à mesure. Du coup, ça va être intéressant le chat du prochain stream. Ah bon? Oui, le chat. Bravo, bravo. Elle est pas mal. Magnifique, magnifique. Le temps que ça me monte au cerveau, vous comprenez, je suis un mouton. Bravo. Franchement, elle est pas mal. Donc, si jamais vous voulez voir les anciens lives, en fait, ça va être globalement sur YouTube. Donc, comme je vous l'avais mis avant, hop, si je reviens ici, si je vous refais un petit point d'exclamation socials, en fait, vous retrouvez toute la liste des réseaux sociaux et donc vous allez trouver aussi ma chaîne YouTube si vous voulez vous y abonner pour retrouver les anciens lives qui, je crois qu'on est, à moins d'un an de lag et j'ose espérer que j'aurai rattrapé tout le lag d'ici la fin de l'été. Donc, ça, à une vidéo par jour, ça devrait être pas mal. Donc vous avez aussi pour papoter entre deux lives les réseaux sociaux comme le Discord et les trucs classiques du genre Mastodon, Blue Sky, Twitter, enfin X maintenant, pardon, ça m'a échappé, ce genre de choses là, bah voilà. Hop, le Discord qui pop là-dessous, que vous pouvez rejoindre. Alors il s'y passe pas énormément de trucs, mais généralement j'annonce les lives dessus au moins, ainsi que sur les autres réseaux sociaux. Sur Paris, est-ce qu'il y a des groupes, associations où on apprend du Linux? Oui, Dino, tu peux aller rechercher auprès du LUG Parinux. Tu peux contacter le LUG Parinux. Tu as les bases, mais tu veux te perfectionner. Je sais pas exactement qu'est-ce que tu entends par les bases et ce que tu entends par te perfectionner, mais tu y trouveras des gens. Tu y trouveras des gens. Et tu peux... Tu peux aussi aller traîner sur divers forums, notamment celui de linuxaffaires.org, mais pour le coup, ce ne sera pas du ce sera pas du AFK, ce sera vraiment du en ligne. Tu as notamment le truc à la Villette. Oui, tu as le truc à la Villette. Alors, c'est les install parties, donc forcément, c'est des trucs basiques. Mais en rejoignant les listes de discussion, tu pourras peut-être poser des questions sur des sujets plus poussés, et peut-être qu'à ce moment-là, des gens te renverront vers les bons endroits. Sinon, éventuellement poser des questions sur le forum de linuxfr.org ou aller sur IRC. Je sais, IRC existe encore. mais oui, c'est bien le truc à la Villette, en tout cas, principal. T'as besoin d'un mentor. Bon, bah, tu trouveras peut-être quelqu'un là-bas. À l'ancienne, exactement, à l'ancienne. Je traîne encore sur IRC un peu, mais je papote pas beaucoup. Je traîne sur Diez GCU, entre autres, et Diez NetBSDFR, et 2-3 autres trucs.
sur Lidératia, bien entendu. Voilà, voilou. Bon, on va lancer le raid vers Adrien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, hein, bien entendu, comme d'habitude, une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous peut-être dimanche prochain, sinon dans 3 semaines. D'ici là, bah, amusez-vous bien et profitez bien. Ciao, ciao. Merci à vous, merci à vous.